m'appelle Camille et je suis diplômée de l'ENIT en janvier 2018. Je suis actuellement en troisième année de doctorat avec Safran Aircraft Engine au laboratoire de l'ENIT. Alors moi c'est Océane Desraux, je suis une ancienne étudiante de l'ENI et j'ai été diplômée en juillet 2020. Et là je suis actuellement en première année de thèse au laboratoire de recherche de l'école en partenariat avec l'entreprise Rodsel. Aujourd'hui on est là pour vous faire visiter l'école et pour vous la faire découvrir, que vous voyez l'ensemble des activités de l'école. Donc suivez-nous. Donc là on va vous emmener à la bibliothèque qui est juste là. Allez, on y va. Donc là on est dans la bibliothèque universitaire de l'école. Donc on va pouvoir, nous les étudiants, retrouver des livres techniques et scientifiques dont on va se servir pour les différents enseignements qu'on suit et qui vont être complémentaires. On va pouvoir aussi s'appuyer sur des ouvrages autres qui vont nous servir tout au long de notre cursus. Ça peut être aussi toute la partie annexe, on va dire, avec des romans, des bandes dessinées, plus pour la partie loisirs au quotidien. Et également, c'est un endroit en fait où les étudiants ont l'habitude de se retrouver pour travailler en groupe. C'est aussi à la bibliothèque qu'on peut trouver des livres et des DVD en langue étrangère. Donc c'est des langues qui sont apprises à l'ENIT, donc il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, l'italien et le chinois. Donc là en fait on se trouve dans les salles où on va faire finalement les projets de conception parce qu'on va souvent on va devoir utiliser des logiciels de conception industrielle particuliers. Et donc ça va être des salles où on va se retrouver en groupe pour des projets et ces projets-là souvent nous accompagnent tout au long du semestre. Nous nous trouvons actuellement dans la salle de pédagogie active qui est la salle consacrée aux travaux de groupe. Donc chaque groupe d'élèves a un ensemble de tables et de télévisions afin de projeter leur diaporama. Et donc c'est une salle très dynamique où les élèves peuvent faire différents échanges entre eux. On va monter à l'étage pour vous montrer une salle où différents projets étudiants sont réalisés. Donc là, finalement, on se trouve dans une salle de projet. Donc l'intérêt de cette salle, en fait, c'est qu'on voit ici derrière nous des imprimantes 3D qui ont été réalisées par des élèves. Et l'objectif également, après, c'est d'utiliser ces machines pour réaliser des pièces industrielles qui vont servir par la suite sur d'autres projets. Donc tout intérêt, c'est d'avoir que les étudiants soient les acteurs même du projet, du début de la conception des machines jusqu'à la réalisation des pièces par ces mêmes machines. Nous sommes maintenant devant la maison des étudiants, qui est le bâtiment où se trouvent les différents clubs et associations de l'ENIT, comme par exemple le bureau des élèves, ou BDE, qui est l'association qui pilote toutes les autres associations et clubs de l'ENIT. Parmi les clubs, par exemple, il y a l'association du foyer des étudiants, dont le bâtiment se trouve juste derrière. Et donc c'est un bâtiment où les étudiants peuvent se retrouver le midi et en soirée. Sinon, pour les autres clubs, il y a par exemple le club international, le club mécanique, le club ski, le club informatique, le club planeur, le club moto, etc. Il y a beaucoup de clubs et d'associations à l'école. D'ailleurs, la vie étudiante à l'ENIT est assez riche. Les étudiants organisent de nombreux événements, comme par exemple le gala des 5e année, qui a lieu en décembre, ou par exemple différents événements comme la course de Solex, la collecte alimentaire, ou encore le nettoyage de les chaises. Et donc juste derrière ce bâtiment, on va retrouver la cité universitaire avec la cafétéria, le restaurant universitaire et les résidences étudiantes du CROUS. Allez, on vous y emmène. Maintenant, on va vous montrer l'atelier et le laboratoire. Nous sommes ici à l'atelier de l'école, donc c'est un atelier qui regroupe un bon nombre de machines d'usinage, donc des fraises et des tours conventionnelles et numériques. C'est ici que les étudiants passent un bon nombre d'heures en TP. Notamment en première année, ils vont réaliser des pièces en se familiarisant avec les commandes conventionnelles des machines. Et au fil des semestres, ils vont apprendre à notamment coder les machines pour les faire usiner. Et à terme, ils vont réussir à concevoir les objets de A à Z et à les fabriquer tout seuls. Ce qui est aussi important, c'est de bien comprendre que ces machines elles sont utilisées à la fois par les étudiants, donc lors des TP qui vont passer pour se familiariser vraiment,
au niveau des doctorants pour leurs différents projets, notamment avec le pôle recherche usinage, et également au niveau de l'expertise qui est réalisée à l'ENI pour les industriels. Alors voici la salle de robotique et de réalité virtuelle. Ici, certains doctorants et élèves travaillent sur donc, la robotique collaborative, donc, c'est-à-dire comment le robot peut aider un opérateur dans son travail. Quant à la réalité virtuelle, il s'agit là de simuler un espace de travail et de voir comment l'optimiser pour l'opérateur pour améliorer ses conditions de travail. Nous nous trouvons à présent dans la salle de fonderie. C'est là que les premières années réalisent leur TP de fonderie. Donc la fonderie, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédé de fabrication qui consiste en faire couler un métal fondu dans un moule, ici un moule en sable. Et donc l'objectif, c'est de fabriquer une pièce. Dans le labo d'électrotechnique et d'électronique de puissance. Donc dans cette salle, les étudiants vont pouvoir manipuler les différents outils qui sont liés à ce domaine et donc se familiariser avec ce domaine scientifique finalement. Et ils vont pouvoir également travailler sur des projets concrets comme sur le panneau photovoltaïque qui est juste derrière moi. Et il y a également des doctorants qui vont pouvoir manipuler ces différents outils. Ici, c'est le gymnase de l'école, donc c'est ici que les étudiants réalisent leurs cours de sport en journée. Mais le gymnase est également ouvert le soir et propose chaque soir un sport différent. Par exemple, volley, basket, handball, badminton, mais aussi futsal. Tous les jours, par contre, il y a aussi la salle de musculation qui est ouverte, la salle de danse et aussi le mur d'escalade. Et notamment, le mur d'escalade, c'est un mur extrêmement grand qui est disponible pour les étudiants de l'ENI, mais également des gens qui sont externes à l'ENI, donc que ce soit l'IUT, le campus ou différentes associations sportives. Donc maintenant, on vous emmène là-bas, au nouveau bâtiment du laboratoire de recherche de l'école. Allez, on y va! Donc là, on se retrouve au milieu des machines qui vont permettre la fabrication des plastiques. Donc là, il y a une machine de thermoformage où les étudiants vont pouvoir créer des pièces en plastique. Il y a également une machine de rotomoulage qui a été conçue lors d'un projet EPS par des étudiants étrangers et donc qui est également utilisée en TP par les étudiants pour réaliser des pièces en plastique. Il y a aussi la machine d'injection que les étudiants vont également pouvoir manipuler et ces différentes machines sont aussi à destination des doctorants qui ont des projets dessus. Donc là, on se retrouve dans la salle de caractérisation des matériaux plastiques et composites. Une fois que les étudiants ont abordé finalement toute la partie de fabrication des matériaux, ils vont venir ici en TP pour analyser les matériaux avec différents outils qui sont à leur disposition. Et ces appareils sont également utilisés par les doctorants au quotidien pour leurs recherches. Nous nous situons dans la salle de traitement thermique des métaux du laboratoire. Ici, les étudiants peuvent réaliser des TP où ils vont réaliser des traitements thermiques, comme par exemple des trempes, et voir les conséquences des trempes sur les métaux. Ici, nous sommes dans la salle des microscopes électroniques à balayage. Ce sont des microscopes qui permettent de réaliser des images sur des matériaux, comme par exemple des métaux, à très petite échelle, jusqu'à par exemple la dizaine de nanomètres. Ceci donc va nous permettre d'avoir de très forts grossissements afin d'observer leur structure, mais aussi d'étudier leur composition atomique. Et ces instruments sont utilisés au quotidien par les équipes de l'ENI pour notamment faire des expertises et par des chercheurs, mais ils peuvent également être utilisés par des étudiants lors des TP pour qu'ils manipulent justement ces instruments de haute précision. Nous sommes ici dans la salle de fabrication additive, c'est-à-dire impression 3D métallique. Ici, nous avons des machines utilisées pour la recherche. Elles seront à long terme utilisées par les étudiants pour leur TP. Pour le moment, ce sont des doctorants et des stagiaires qui travaillent ici. Donc ici, on fabrique des pièces à partir de poudre de métal pour obtenir des pièces finales comme en impression 3D avec le plastique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette visite. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir plus de choses sur l'école. Merci pour le visionnage. Nous vous invitons maintenant à regarder les autres vidéos pour découvrir encore plus l'école.